Bonjour et bienvenue sur Comme d'habitude Game. Bienvenue donc dans Fanku, un nouvel épisode de Prison Architect. Ouais, la prison de l'argent. On aime bien tuer des gens de temps en temps dans une prison nulle. Oui d'ailleurs avec cette prison très très nulle. On avait testé l'automatisation, on se rappelle, c'est de la merde. Voilà, c'est juste de la merde. Ah ça je l'ai pas connecté. Connecting people. Pourquoi ? Il y a un mec qui a pas pu mettre un bout de câble là, c'est ça ? J'ai oublié de le mettre. Bon, bah c'est bien. Me dites pas que ça marche pas maintenant, je vous croirais pas. Putain, il y a une musique qui est pas finie. Non, pas fini. Ah, ou alors c'était peut-être que je les avais déconnectés pour une histoire de surcharge. Ça fait longtemps, je ne sais plus. Ça a l'air de tenir cette histoire. Allez, ah, attends, ils sont connectés à qui? Parce que bon, les générateurs électriques commencent à en avoir beaucoup. Ça paraît en termes de facture d'électricité, non mais c'est du délire. C'est du délire. C'est du délire. Bon. En tout cas, ça a l'air de couper du web, hein. Ça a l'air de bien se passer cette histoire. Ça débite du web. Alors comme d'habitude, on va filer un petit coup de main à la vente. Voilà. Voilà. On est tous dans les coins comme ça là. Voilà. On fait un petit billet de 5000 balles juste avant les factures. Bon, petite facture quand même. Dispose d'esprit en réussite une formation scolaire pour débutants. Oh, ouais, c'est toujours la même quête. Hein. C'est la même quête de ces morts qui va être impossible pour nous à passer. Alors, j'aurais bien commencé à construire une autre prison non automatisée à côté. Le problème, c'est qu'on en manque de pognon. Et quand le pognon est un manque, eh ben on va chercher du pognon. Regardez ces jolies cellules d'attente. Elles sont pas là pour faire déco. On va donc... Vous avez des douches, bande de clodos. Qu'est-ce que vous faites chez le monde? Ah, ça tourne mal, hein, surpopulation carcérale, hein. Ouais, moi je pense que ce qu'il faudrait, c'est voilà, c'est à un moment donné, c'est sauver ce monde incroyable. J'ai l'impression que mon centre de voix est beaucoup trop bas par rapport au reste du monde. Alors attendez, ça devrait être pas mal là. Attendez, je le descends encore un peu. Ouais, ça ne casse pas trop les oreilles non plus. Voilà, ça serait bien. Donc je disais, surpopulation carcérale, une seule solution. Une seule solution, prisonnier, une mission. Je prends tout. Je prends tout. Envoie tout. Tout ce qui traîne. 300 mecs. J'annonce 300 mecs, on va se marier. Hein. 300 mecs, faut que je prévoie pour 300 mecs. Voilà, alors pour 300 mecs faut prévoir. Pourquoi c'est verrouillé? Ah, je peux pas parce que je vois pas. Ah ah. Bon. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. On va déjà en placer 9. Déploiement. Garde armée. 1. 2. 3. 3. Oh, ça va être très calme. Moi je vois un monde très très calme. Je vois un monde fait de paix et de tranquillité. Ah, ils ont pas leur petite fenêtre ici. Ah, c'est peut-être pour ça qu'ils sont énervés. Hein. Juste parce qu'ils manquent une fenêtre que les mecs qui sont vénères. C'est tout. Je pense qu'un autre petit garde armé juste là. Oui, on va en recruter, ne vous inquiétez pas. De toute façon, on va recruter la max en gardien armé. 300 prisonniers, faut que ça se tienne à carreau. Y a pas à discuter. Voilà. Un garde en fond de salle et un garde à chaque table. Voilà, ça c'est de l'ambiance.
Ça, c'est l'ambiance qu'on aime. C'est l'ambiance carcérale où tu sens que t'es proche des gens. T'es en contact en perpétuellement avec voilà, le monde extérieur, la civilisation, quelque part. On a 30 sur 31, mec. Et on est pas mal. Cette armure, il commence à être un peu petite. Il va falloir la grandir. Oh, on va se marrer là. Quand on va recevoir 300 clodos là. Et la thune qu'on va rentrer. Pop, pop, pop. Pourquoi 32 prisonniers à 8 heures? Mais non, on avait 300 mecs. Le jeu m'arnaque. Ah, le jeu m'arnaque. 32 mecs? Je les paye comment mes officiers, moi? 32 mecs! C'était 300 tout à l'heure. Bon, bah, s'il reste plus que 32 mecs, on va prendre 32 mecs. Mais si on peut ramasser 30 mecs par jour, moi je fais rentrer 30 mecs par jour, hein. Ça me va, hein. Je comprends pas, les gens dans cette prison sont toujours stressés. Ça se passe bien pourtant, ça a l'air cool, non? Aucun prisonnier n'est affecté. Bah, si, pourquoi? Hein? Et si ils sont affectés, c'est juste qu'il y en a pas. Voilà, ça va arriver. Parce qu'ils sont occupés, ils sont mûrs des cons. C'est tout. Une prison efficace. Idéalement, pour être très efficace, voilà, faudrait aussi des peines de mort, enfin des peines de condamnation dans des. En fait, je pense que la prison la plus rentable du monde, si on veut faire une prison rentable, c'est genre que des murs de cons et une toute petite cellule. Toute petite petite où tu les entaches jusqu'à qu'ils se tapent dessus. Tu leur mets des peines de prison mais genre maximale 200 ans de tôle genre. Pour n'importe quoi hein. J'ai un mouchoir sur moi, 200 ans de comment ça s'appelle, d'isolement quoi. Et là t'es bien, t'as une prison, t'as jamais une embrouille. Parce que c'est le seul endroit où les mecs ne cherchent pas à s'évader autre qu'en pétant les portes. Enfin bon. Un chien, un garde armé, enfin même pas un chien, que des gardes armés, ça se passe très bien. Ça se passe très bien. Une cantine, vite fait, et tes gardiens qui ne servent qu'à apporter à bouffer à ces clodos, quoi. Voilà. Voire tu les nourris pas et tu les laisses crever, hein. Ça marche bien aussi, hein. Bon, donc l'automatisation, hein, décidément, c'est de la merde, hein. Résultat, je crois que j'ai quand même beaucoup d'effectifs, hein, finalement. Bon, en dehors de notre petit craquage de gardien. Armée, sinon. Ouais, ça va, on a combien de population carcérale actuellement? J'ai quand même 50 gardiens, personnel, des prisonniers. Ah, sur 300. Ah ouais, 50 gardiens pour 400, ouais, quand même, ça va, ça reste assez petit. Hein. Un gardien pour 4 mecs, ça reste petit. Bon, après, ils sont un peu claqués, hein. Donc bon, alors, ah bah ça voilà, ça c'est c'est Mariotte, lol. Entouré par des murs ou un enclos. La blague. La blague. Ah mais il y a un trou là, il y a un mec qui a tenté de s'évader. Oui, un mec qui s'est évadé d'ailleurs, on s'en fout. J'avoue qu'on s'en fout. Retirer le tunnel. D'accord, voilà, à mon avis il a juste tenté de s'évader. Hein. Voilà. C'est juste une vaine tentative. Après une autre technique qui serait quand même super cool, ce serait en vrai. Une sorte de. Tu les parques dans une cour, tu les laisses genre toute la journée dans une cour ou un truc comme ça. Et tu les laisses entasser là en fait tout le temps quasiment. Juste avec des gardiens armés autour. Comme ça t'es bien. Voilà. Juste ça était très bien. Et tu les laisses s'entretuer. Tu verrouilles les portes surtout. Très important. Là tu mets des portes automatisées, comme ça tu laisses les prisonniers s'entretuer entre eux. Tu n'es responsable de la mort de personne. Directement. Après, on peut toujours parler de négligence, mais bon.
Je pense que quelqu'un qui parlerait de négligence, c'est quelqu'un qui parlerait, qui serait un petit peu méchant, quoi. Un petit peu pas très gentil. Vous faites quoi? Vous déplacez des briques? Vous posez de la brique? Vous faites quoi? Vous envoyez du matos. On va le vendre, ne inquiétez pas. On va vendre votre excédent de matos. Ne inquiétez point. Je suis là pour vous aider. Bien vendre ça aussi hein, parce que ça a pas l'air de servir souvent hein. Je me permets hein, Ah si, il y avait des planches. Ah si si, ça avait l'air de transformer des trucs. Et ben ça leur donnera l'occasion de remplir direct. Ah, très bien. Magnifique. Qu'est-ce qui se dit ici là? Ah, ici ça a l'air de bosser aussi. Il y a un atelier que j'ai raté là. Oui, celui-là. Ça bosse. Ça bosse. À fond les manettes. Un gardien ici. Bien qu'on vienne le fouiller le prisonnier. Je crois que j'ai vu une lame de verre. Je crois que j'ai entrevu sur une caméra une lame de verre. Pourrais-je avoir une confirmation, je vous prie. Sur cet homme d'ailleurs délicieux qui travaille extrêmement bien. Attention. Il envoie du bois. Hein. D'ailleurs avec tous ces mecs qui envoient du bois là, qui envoient du bois, qui envoient, non, qui envoient, tout court. Est-ce que il n'y a pas moyen en termes de programme de voir s'il n'y a pas un clodo qui a eu son truc? Un intéressé, 30 ans complétion, site 19. Ah, peut-être moyen qu'on passe sur un truc plus vénère. Hein. Il y a la réunion des alcoolos actuellement. Il y a la guidance spirituelle. Apprentissage de la menuiserie. Personne. Thérapie comportementale. J'ai pas fait ça parce que toutes les salles sont occupées. Cool. Moi j'ai envie d'ajouter l'apprentissage de la menuiserie maintenant, même si à me dire que c'est over. Voilà, pas de formateur. Ah, c'est pas de formateur. Ok. Bon, je la laisse en ouvert quand même, ça on y pensera. Oh là là, c'est beau ça. Regardez ça. Si ça c'est pas magnifique. Si ça c'est pas beau. Regardez-moi toute cette livraison. C'est beau hein. Par contre les mecs, j'ai mis des chaises hein, vous auriez pu faire genre de vous en servir avant de mettre sur les tables. Range tes tolards à poil sur les tables. Un système terriblement efficace, hein. Il n'y a pas à dire. Voilà. Ah, c'est vraiment de la belle prison. Hein. On a envie d'y être. Alors, en même temps, j'avoue, on a des prisonniers, mais en mousse. En mousse, tu les fais travailler 6 heures par jour ou 8 heures par jour, les mecs ils pètent un plomb, quoi. Non, mais vraiment, quoi. Alors vous me direz, oui mais tu te rends compte, 8 heures par jour, tous les jours. Ouais, ouais, je me rends bien compte, ouais. Ouais, 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 je me rends bien compte, vous inquiétez pas, je l'ai fait de mon vivant. Ouais, ouais, j'ai même fait plus que ça. Oui, c'est tenable. Surtout quand c'est des cadences comme ça, c'est cool, hein, puisque finalement tout ce qu'on te demande c'est d'être présent et de faire semblant de bosser. Hein. T'as pas de quota à remplir. T'as pas d'objectif à tenir. Donc allez si, il y a des objectifs à tenir pour les mecs de la buanderie quoi. Encore. Finalement tout ce que t'as à faire c'est juste repasser tout ce qui sort de la machine à laver quoi. Point. Il est cool ce jeu, si j'aimerais bien qu'on puisse un jour définir nos touches hein, parce que ça là c'est plus possible ça. Ah, vraiment voilà, ça me gonfle. J'ai joué avec les flèches. Alors oui, on me dirait, mais Knarfang, tu es con, tu peux passer ton clavier en US. Oh. Oula. J'ai demandé une rallonge de trop.
Oscure? Ah. C'est bon, ça a l'air de marcher. Alors attention, on peut gagner une photo ou une page de journal à n'importe quel moment. Restez vigilant. Je vous sens un peu dissipé, alors restez vigilant. Bon. Le cloître suivant. Ou le double cloître. Ah. Écoutez. On part sur quoi? J'ai bien envie de me tâter un dortoir. Je suis en train de me percevoir que j'ai pas mis des tours de sniper partout ici en fait. Ah oui, j'avais commencé à en mettre mais j'ai pas tout mis. Ouais, faut que j'y pense ça aussi. Écoutez, moi je vous verrais bien partir sur un gros dortoir bien crade. Un vulgaire mur en béton, pas de mur d'enceinte, mur en béton. Tout ce qu'il y a de plus vulgaire quelconque. On a combien là? 2, 3, 4, ok. 2, 3, 4. Et on construit là. Un vulgaire mur en béton, on va y mettre de la base. Hop, 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 hop. Ah, ça c'est bon. On voit ça. On va y coller de la base sécurité. Voilà. Alors, on va peut-être pas trop s'embêter. Ah, si on a ce truc là, c'est très bien. On va s'aligner sur le haut. Et on va être bon. Et paf! Le joli mur. Eh bien, bon courage mes petits bonhommes. Ah, vitesse 3 hein. Arrêtez de dormir hein. Faut y arriver les petits bonhommes, faut y arriver. Y a plus de gardiens disponibles mais en permanence hein. C'est genre la méga crise. Là on est à 200 sur 101. Ouah, on est qu'à 200 sur 101. Et bon, il y a eu beaucoup de libération, il y a eu beaucoup de morts, ça se passe comment là? Ah, mais il est au bout, 389. Il y en a pas 389 là. Je sais pas comment il compte le jeu, mais moi j'ai compté jusqu'à 2 et je vois que y a pas. Ah donc là voilà c'est bien 32 mecs par jour en fait, c'est le niveau de saturation, on est à 32 mecs par jour. C'est fort intéressant. Moi je trouve ça cool. Donc petite prison basse sécurité. Voilà, y a pas grand intérêt à faire un truc très musclé, très vénère. L'objectif c'est d'en faire une prison qui est productive. Efficace et de préférence pas trop cher. Ce qui veut dire une salle de rangement bien sûr. Ah ça va être compact hein. Par contre ça va être compact et compact hein. Voilà, on part sur une prison qui est compacte et compacte. Théoriquement, faudrait que je fasse du bureau aussi. Il faudrait que je fasse du bureau. Ah, on est sur du brique béton là. Du 6. Ah
Ouais, dépêchez-vous les petits bonhommes là. Alors. Ah, il a pareil, hein. J'ai pas fini de mettre des tours en fait à l'intérieur. Je crois qu'on était dans l'embauche de sniper, ai-je l'impression. Ah, ça fait un peu de boulot à battre, hein. Lol, à battre des arbres, du boulot à battre, c'est cocasse. Eh, si on s'offrait. Ah oui, mais du coup, on peut pas. Putain. Cool. On peut pas se lancer une fouille générale la nuit parce que les cellules, elles sont verrouillées. Voilà. Donc là, elles sont pas encore verrouillées, mais elles vont être verrouillées, donc c'est mort. Tiens, j'ai jamais mis de. C'est rigolo ça. On est pas un petit parquet, elle est gros, hein. Quand même. On est pas sauvage. On est pas comme ça. Ok, cool. Ah oui, alors attendez, ouais. Poussez-vous, bande de gros. Verrouille pour l'instant, voilà. Très bien, très joli. Magnifique. Paf. Ah. Même ajouter une porte là pour le style. Hein. Ah, on a du budget. Hein. Ah, ouais, on a le budget de la santé là. On fait tout péter. Hein. Alors on appelle budget de la santé française, hein, parce que sinon on n'a rien. Mais voilà, nous avons une forme de budget. J'aurais bien lancé une autre construction de briques. Déjà ici j'aurais pu en faire... ouais, j'ai gardé un bureau là, on va voir ce que j'ai besoin de construire comme bureau. Ici on part sur une salle du personnel en 7-8 moi 12 c'est un chiffre que j'aime bien. Donc on part sur un 12 de profondeur. Si en réalité ça fait pas du 12 à l'intérieur. On part sur une porte, il nous faut une porte, tiens, sur une porte du personnel je pense ici. Allez au boulot. Au boulot les larbins. Plus vite là. 20 000 balles par jour. Hein. Par contre là, voilà, dotation pour prisonniers, on, hein, on est confort, voilà. C'était le bon deal depuis le début. Eh, 20 000 balles par jour, on pourrait se permettre de rembaucher du personnel qui est au bout de sa vie. Hein. Le personnel est au bout de sa vie. Après, on pourrait se faire une petite session discrimination, genre, toi t'es obèse, t'es fatigué, tu dégages. Voilà. On dégage toujours les obèses en premier. C'est les éléments les moins productifs. Hein. Quand on parle de gras dans une entreprise, voilà, on parle avant tout d'obésité. Voilà. Et puis bien sûr, après, on virera les noirs, les chinois, les femmes. Voilà. Plus ou moins dans cet ordre-là. Enfin, du coup, dans les ouvriers, il y a des femmes noires. Donc c'est vraiment les premières à virer juste après les obèses. Quoi. Vraiment, c'est vraiment un drame national. Quoi. Ouais, je suis une ordure, ouais. Dans ce jeu, de toute façon, je suis une ordure. Je suis vraiment juste une ordure dans ce jeu. Je suis quelqu'un de méchant. C'est ce qu'il faut, je pense. Alors, ouais, parce qu'on aime, on aime la praticité des choses. Voilà, on fait une petite prison compacte et pratique. Voilà, il faut les pièces. Il me faut la livraison, s'il vous plaît. Alors, la pièce de livraison. Ça, c'est export. On va voir livraison qui doit être de toute façon. Attends, c'est par ordre alphabétique ou pas? Non, pas du tout, évidemment. Livraison. Voilà, c'est ça. Il faut cette. Voilà. Livraison par. On va partir sur du. Ah, un décès, enfin, youpi. Voilà. On part sur un petit, petit 12 de livraison. Alors, qui est décédé? Où? Il est où le mort? On sait pas. Et il est mort. Hein. Ah si, il est là. Non? Inconscient. Non, il est pas mort. Il est où le mort? Ah, il est mort à l'hôpital peut-être.
C'est peut-être ça qu'on a voulu nous montrer. Bon, on sait pas. Écoutez, il est mort, hein. De toute façon, on s'en fout, du coup, puisqu'il est mort. Voilà, on va pas s'embêter. Donc moi je proposais de me refaire une salle de briques là. Ouais, dans cette dimension là par exemple, ça me paraît très bien. Vous voulez pas me faire ce mur là? C'est vraiment genre vous avez décidé. La double porte, évidemment. Le gros style. Voilà, donc là, ce qui est prévu ici, c'est un petit bureau. Donc ça, j'annonce que c'est prévu. Bah, il nous faut le bureau de psy en fait. Le logo des murales. Voilà. Ok, très bien. Du coup. Ah oui, il faut une porte du personnel. Genre vraiment, c'est obligatoire. Ça, on va mettre autre chose à la tête. Le classeur, voilà, et de la chaise à Golio. Voilà, on est bien. Très bien. On pourrait les mettre, même les mettre à la queue le les mecs. Non, comme ça c'est bien. Comme ça c'est bien, on a le bureau. Ça comme ça, c'est très bien. Nos courants électricité. On va lui mettre la totale. À fond insuffisant, on est fauché. Voilà. C'est la douille. C'est la douille, c'est fini. On n'a plus d'argent. C'est la fin du jeu. Voilà. C'était bien de gagner 28 000 balles. Mais c'est fini. Maintenant, nous sommes pauvres. C'est ainsi que se termina la partie du Knarfang sur la pauvreté, alors qu'il était puissamment riche. Tout emplacement de livraison, avec son petit arbre. Oh, c'est swag, hein. C'est dégueulasse, mais c'est swag. C'est swagment dégueulasse quand même, pas de problème. Ah non, mais ça c'est tellement chiant. Voilà, tous mes gars sont fixés devant des portes. On a genre, on n'a pas. Je sais pas, on peut pas leur dire va faire autre chose ou leur dire non, tu désinfectes pas ici ou tu nettoies pas là. Non, non, ils y vont. C'est pour ça qu'il faudrait presque construire tout ce mur de con, mais en mode intérieur. C'est-à-dire avec des fondations. Alors la prochaine fois je le saurai, parce que du coup tous mes gars sont bloqués. Ils sont bloqués jusqu'à qu'un gardien se pointe. Et bah vu le nombre de gardiens en stock, personne ne se pointera. Juste pour voir, vous leur ouvrez ou pas? Ouh, vous en battez les couilles? C'est ça? Je vais en mettre juste 60, fonds insuffisants. Voilà. Il nous reste 7$. Alors attendez, avant que ce soit la crise World of Wall Street, on va les vendre une merde ou deux là. Ça. Voilà, c'est un peu moins la vie. On a l'air un peu moins ridicule. On n'a pas le temps de fouiller ce bout de bois là. Oh, cette merde. Voilà. C'est les tollards qui arrivent, ça? Oui! Notre petit lot de tollards qui arrive, d'ailleurs très en avance. Wouh! Ah, c'est un pays de couleurs avant tout. Hein. C'est vraiment l'amour, le partage. Ah, ils sont sages! Regardez, eh, ils sont au bout de leur vie, je suis sûr qu'ils sont au bout de leur vie. Si on dit ça. Eh, probabilité de récidive 2%.
Moi je dis aligné dans une cellule avec un canon de fusée à pompe sur ta tête pendant quelques années, probabilité de récidive 0%. Même moins 10, hein. Je peux même mettre moins 10. Je suis sûr que le mec ne fera jamais plus aucune bavure. Et s'il en fait une, il paiera le double de ce qu'on lui demande. Juste pour être sûr de pas retourner en prison. Ah. Eh, on trouve des solutions, hein. C'est ça la véritable réhabilitation. C'est vrai, si je vous le dis, hein. C'est comme ça que ça se fait, hein. Ah, quand tu fais, voilà, comme ça, y a pas d'embrouille. Ah, qu'est-ce que je cherche? Oui, le courant, l'électricité. Et on rajoute un compensateur. Voilà, c'est un peu beau tant qu'on a un peu de coude. On rajoute un peu des condensateurs un peu. Allez, Arbite, ça fait quoi? Vous débitez des arbres là? C'est quoi? C'est ça le délire? Ah, il y a un peu d'arbres à abattre. Ça fait tomber du bois. Ah, ça commence à déborder, hein. Quand ça commence à déborder, c'est que... Eh, rassurez-moi, on en reçoit 32 encore demain. Non, parce que j'aimerais pas que... Voilà. Nickel. Nickel! Et là, il n'y a aucun problème. Finalement, le secret, c'était ça. Bourrer des cellules d'attente. C'est pas formidable. Voilà. Meilleure prison du monde. Regardez, zéro tentative d'évasion. Le top. Le top. Si vous voulez mon avis. Voilà. Et puis pareil, l'autre solution aussi qui consiste à exploiter une faiblesse du jeu, c'est de dire, je leur mets tout de suite des condamnations très fortes avec de l'isolement. Sauf que vu que j'ai pas de cellule d'isolement, et ben le mec on lui met des menottes et il reste là. Et il ne bronche pas jusqu'à la fin de sa vie. Et il reste planté sur place en attendant qu'on construise une cellule d'isolement. On ne construira bien entendu jamais. Oh là là. Oh là là. Le jeu presque en PLS, attention. Oh, le flux de prisonniers. Accroche-toi. Hein. Ça, il y a du flux, ça fluctue. Hein. Tout ça. Bah c'est génial. Vous pouvez pas finir de construire les trucs par hasard. Juste. Trois cages, ouais, un peu plus, hein. Ah, j'ai plus d'argent. Comment je bosse, moi? Comment je travaille? Voilà. Comment que je bosse? Je suis toujours en négatif là. Comment je travaille? Allez, vendez tout. Je veux pas le savoir. J'ai pas le temps d'attendre que le camion il se barre là. Vendez tout, vendez vos mères, voilà, vendez vos pères, voilà, vendez tout. 20 000 balles, bah voilà, c'est bon. Ça va bien. On a un petit peu de cash sous le coude du coup, ça va bien. Pour pouvoir construire un café. Voilà, donc là bon on est pas mal. Pour l'instant l'électricité on n'a pas besoin d'en rajouter trop. Donc ça c'est un bureau de psy. Donc faut que je mette un psychologue du taf. Voilà mon gros. Bienvenue au club. Qu'est-ce qu'il nous faut? Alors il nous faut les différents... Les machins sales. Il nous faut donc... Mes yeux sont tombés tout de suite sur la morgue. Il me faut une morgue. C'est pas faux. C'est pas faux. Mais voilà. D'abord on va mettre peut-être de la sécurité. Sécurité qui exige une 4 sur 4. Très bien. Oui, sécurité. Attends, pour retirer une combien? Une 10 sur 10. Ah. Ah, on aurait pu couper ce bâtiment presque en deux, ouais. Pas inintéressant. Ouais, je vais faire une 4 sur 4, en effet. Qu'est-ce qu'il me faut à côté? À côté, il me faut une salle du personnel, 4 sur 4 également. C'est parfait, du 4 sur 4. À côté, il me faut sa petite cantoche, la cantine. La cantine.
Non, la cuisine. Il n'y a pas de taille minimale requise, mais on sait que il nous faut au moins du 3. Voilà, c'est au moins ce qu'il nous faut coller d'ailleurs. Un chenil. 5 sur 5. Alors 5 sur 5, c'est ici. Chenil ici. 5 sur 5. Armurerie, en vrai on s'en fout. On peut lui mettre la taille qu'on veut. Donc très bien. Qu'est-ce qui nous intéresse? Infirmerie et morgue. Si je peux mettre les deux, lit médical, intérieur, table de dissection, dimension qu'on veut. C'est cool tout ça. J'aurais presque envie de faire un hôpital pas très grand, genre comme ça, 3 sur 4, un peu radin, c'est juste des lits sur le côté, vite teuf. Ou je fais un hôpital un peu généreux. Table de dissection là, lit médical en intérieur. Alors je crois que je peux coller les deux. Je crois que je peux coller infirmerie à morgue. Je crois que c'est valide. Je sais plus. On va faire le test. Ne vous inquiétez pas, nous allons faire ce test pour vous. De personnel avec sa propre porte. À voir, mais bon, voilà, du coup, avec sa propre porte, on est bon. Le chenil. Le chenil, c'est génial. Deux décès aujourd'hui, formidable! Voilà! Ça, c'est un monde qui s'ouvre. Voilà, à son prochain. Un monde qui avance. On dirait presque des publicités de banque. Avec un monde qui marche, ou je sais plus quoi, c'est, je sais plus c'est quoi le truc. Compact et efficace avant tout. En termes d'électricité, par contre, je crois qu'il va falloir que je repasse l'électricité. Ouais, c'est ça. Ouais, le petit inconvénient, c'est que par contre, que je fasse ça. Ouais. Pardon. Je vais attendre qu'il finisse les murs. Mec, il y a une porte là. Ouais, là. Il a pas l'air ouf quoi le mec. Il a l'air un peu. J'ai l'impression qu'il a pas au bout de sa life en fait. Ça a l'air d'être au bout de sa life man. Oh non lecture. Oh, non c'est chiant lecture. Moi j'aime l'argent. Hein. Faut. Voilà faut... c'est ça. Masser du prisonnier. Voilà. Massez-moi ça. Ça va être bien. Je vous promets ça va être cool. Ça va vraiment être un instant incroyable. Il y a combien de dotations? 46 000 de dotations. Hein. C'est beau. Hein. Que 300 balles. Alors par contre, est-ce qu'on a facture d'électricité, tout ça là? Non, on n'a pas. Ok, formidable. Moi j'aime beaucoup. Moi j'aime beaucoup. Je trouve vraiment qu'on est, voilà, on est vraiment avoué dans de la prison de demain, quoi. C'est vraiment, je pense, un exemple de prison. Qu'on verra se reproduire un peu partout en termes de schéma. C'est vraiment un pur exemple pour la société. Voilà. Par contre, ah oui, ils peuvent pas mettre ce mur parce qu'il n'y a pas de porte. Très bien. Oui, non, mais d'accord, ok. Right, ça marche. Donc, ça a l'air de fonctionner parce qu'il manque un mur ici. Ouais, je suis pas convaincu. Donc, infirmerie morgue comme ça, ça a l'air de vouloir fonctionner. Donc, j'ai l'air de pouvoir tout coller. Donc, je vais le faire. Oh, l'autre crevard, ça y est, j'ai construit une. Je lui cite. Alors, il va nous falloir un lit médical. Et deux lits médicales. Pas formidable ça. Voilà. Mon cadeau à la com. Table de dissection. Hop. Hop. Voilà, très joli. Très joli. Où
Ouais. Deux tables. Un peu triste, hein, deux tables, hein. Parce que si j'avais bien fait mon coup. Ouais, non, j'ai mal fait mon coup dans tous les cas. Ouais. Ouais, deux tables, hein. On va pas faire plus de deux morts par jour ici. Bon, on les aura peut-être plus de deux morts par jour, mais bon, c'est pas important. Important. Écoute, de toute façon, faut embaucher des médecins. On n'a même pas décidé si oui ou non d'embaucher des médecins. Alors, il faut des canapés. Combien j'en ai un? Pour un distributeur de poissons, ça tombe bien, j'en ai au moins deux. J'ai même des bornes d'arcade pour ceux qui veulent vraiment se plonger dans le rétro du gaming à l'infini, voilà, c'est complètement dingue. Faut quoi d'autre? Distributeur de boissons, donc ça c'est bon. Cuisine, il faut une cuisinière, frigo, évier. C'est parti. On va pour un évier. Ah, j'avoue, je pourrais le mettre comme ça. Bon style. Ah, je sais même pas dans quel sens je le mets là. Arrière. Ok. Donc là, on est sur l'avant. Et ta cuisinière, ma gueule. Voilà. Très joli. Vraiment un exemple pour la cuisine moderne. Ce qui me fait penser d'ailleurs qu'il faut que je fasse circuler du gros tuyau. Ouais, c'est un peu chiant le gros tuyau parce que ça coûte cher. On n'est pas très fan de ce qui coûte cher. Ouais, parce qu'on va repartir sur. Merde, on va repartir sur l'autre côté, je sais pas si c'est bien. Ah, je sais pas, écoute, je le tirais jusque là déjà. Et des petits tuyaux. Ah, y a pas d'économie. Y a pas d'économie. Le bureau, la chaise, le classeur. C'est parti. Voilà. Hop là. Ouais, pose-le. Bureau. Chaise. Classeur. Parfait. Système de contrôle des portes. C'est beaucoup trop beau ça. Ah non, ça passe. Et ben, pas pour un système de. C'est mon cadeau, vraiment. Je mets un système de contrôle des portes. De l'écoute téléphonique. Allez, full équipé quoi. Gros stuff. Juste gros matos quoi. Voilà, c'est genre juste ça l'inconvénient en fait. C'est gros matos, mais il n'y a pas de place. C'est le débarras en fait. Du coup, on a juste désempilé un peu les meubles. Et on s'est dit, bon, les gars, voilà, c'est la salle de sécu. Mais chef, c'est la réserve, c'est le dépôt. C'est le débarras. Ouais, bah maintenant, c'est un bureau. Démerdez-vous. Voilà. Ah, qu'est-ce que je m'éclate sur ce jeu de con. C'est incroyable. Hein. Voilà, très joli. Qu'est-ce qu'on pourrait se coller d'autre donc comme salle qui nous intéresse en termes de pièces ici. J'ai mon psy, attendez, on va au-dessus, hein. Qu'est-ce qu'on met, qu'est-ce qu'on peut se mettre? Parce que sinon on se met directement une cellule d'attente, hein. Joseph, hein, perd pas de temps et pas d'argent quoi. Avocat, j'ai pas besoin, tout ça, ouais. On va me payer plus de psy. La salle de nettoyage, elle va être là. Ouais, moi je suis pour une petite salle d'admission, vite taf. Allez. Allez. Pourquoi pas finalement. Donc on part sur quoi? Une petite salle d'admission. Genre on fait bien les choses. On fait genre une salle d'admission. Donc là la taille on s'en fout visiblement. C'est tout à
d'attente, elle est où? Je la vois même plus la cellule d'attente. Cellule d'attente. Ça doit faire au moins du 5 sur 5, ok, donc faut commencer par ça. Ok, et là ça me laisserait 3 pour l'autre. Oui mais attends, 3 pour l'autre oui. Mais non, il faut que je me tape dans cette histoire. Eh oui. Pas pour ça. Ah, j'ai vu visiblement le jeu m'a dit vite fait. Ouais, il y a des morts, on s'en fout. Le jeu m'a fait un truc comme ça, hein, littéralement. Ça fait. Ouais, il y a des morts, on s'en fout. Juste en fait, on s'en fout. Je vais mettre une porte de type standard. Avec une porte de cellule standard. Ah oui, mais attendez, il me faut aussi leur cuisine, hein, c'est con. Cantine et tout pour la cellule d'attente. Ah. A voir. A voir, j'ai pas envie de me prendre la tête tout de suite avec ça. Ce que j'ai besoin en termes de pièces, c'est de coller. Voilà, l'admission est placée. Oui, au fait, continue à vivre vos vies. Admission s'est placée. En open, qu'est-ce qu'il nous faut dans la salle d'admission? Il nous faut une table. Une table. Ils appellent ça une table. Visiblement, c'est le nom qu'ils lui ont donné. On dit ça, c'est une table. Qu'est-ce qu'il faut d'autre? Bureau, chaise, ok. Il faut un bureau chaise. Voilà, la chaise. Et parce qu'on aime bien décorer, voilà, les chaises pour les Goliots qui attendent. Eh, moi j'aime pas le vide, je suis comme Mère Nature, j'aime pas le vide. Alors moi je pense qu'une petite radio pour mettre un peu d'ambiance dans ce débarras d'admission, c'est quand même ça se pose là quoi, hein. C'est vraiment tout le monde n'a pas cette chance, sachez-le. Donc là clairement il nous faut du banc toilette, du banc et du chiotte, hein. C'est genre le minimum exigé, des bancs et des chiottes. Moi je suis en train de dire pourquoi pas, hein. Je suis pas comme ça. Les toilettes idéalement faut les mettre là. Ouais, on va les mettre aligné ici. Trois chiottes. Je suis pas un monstre, donc voilà, je pense que. Est-ce qu'on n'emmure pas les toilettes quand même? On est pas. Non, on les laisse comme ça. Ouais, je pense que ouais, c'est une bonne idée. Nice idée. Ah non, en fait non. Je viens de penser à un truc, attendez. Je viens d'avoir l'idée de ma vie. Je vais faire des douches à l'extérieur. Moi ça me paraît très bien. Est-ce qu'on leur met des lits? Est-ce qu'on est sympa? Ou quelque part, est-ce que je suis pas un gros connard? Je sais pas. Je suis en train de réfléchir à cette question. Paf. Mais ce qui est sûr, c'est que vous aurez votre petite radio. Voilà. Oui, en fait, la prison est à l'origine d'une initiative sur une petite radio locale. Donc, on diffuse, on apporte du soutien, surtout, c'est très important. C'est extrêmement important, hein. Il faut, voilà, faut soutenir l'économie locale. Tout ça. Tac. C'est magnifique quand même. C'est vraiment, c'est un bel endroit. Pas nier. C'est compact. Par contre, oui, c'est un peu compact. Mais c'est joli quand même. Qu'est-ce que je voulais mettre ici? Je voulais mettre la salle de nettoyage. Alors, on sait que pas très loin, il va falloir. Pas très loin, il va falloir une cantine plus douche. Donc, une cantine plus douche. Je suis en train de réfléchir à ça. Je suis en train de me dire que tout est possible et tout est réalisable. Parce qu'après tout, c'est le grand jeu de la vie. Le petit truc, c'est que j'aurai jamais assez de moyens. C'est pas mal. On part sur un petit 14. Un 15-21. Un petit 15-21, ça me paraît bien. Ça fait un beau pavé.
Ouais, ça me paraît bien. Je vais mettre ça comme ça. Ça nécessite évidemment une entrée. On va pas gêner. Mettons en effet une entrée. 4 décès aujourd'hui. Joli solde de tout compte. Bravo. Waouh. Ça c'est beau. Hein. C'est une belle traversée du monde. N'hésitez pas à venir me retirer ça à n'importe quel moment. Alors est-ce que j'ai d'autres cellules comme ça à réparer? Oula, attendez, je viens de penser à un truc. Ils vont me foutre des mecs partout. Donc vite en logistique. Ah, c'est dangereux. Pourquoi? Ils n'ont pas fini le mur? Comment pas? Pourquoi c'est dangereux? Il y a un mur qui est pas fini quelque part? Bon. Visiblement oui. Ah oui, parce que maintenant ils passent par-dessus les murs. C'est vrai que c'est des petits coquins. Ah non, mais c'est vrai, il faut leur reconnaître ça. C'est vrai que c'est des petits canailloux quoi. C'est des petits canailloux. Ils font le mur maintenant. C'est un peu des racailles de Shanghai, tu vois. Néanmoins, voilà, je vous suis réservé basse sécurité si jamais. Voilà, voilà, tout ça bien sûr, ça c'est personnel uniquement. Perso. Personnel également. Celle du psy, voilà, bah, on va rien mettre. Et puis bah, là, c'est basse sécurité évidemment pour éviter d'avoir des prisonniers qui se baladent en extérieur évidemment. On fait bien les choses, tant qu'à faire. Mon café est froid, mais en même temps il est vide. Il est videment froid. Il est videment froid. Bon, on est rentable un peu ou pas là? 32 000 balles, on a quoi là? Dotation pour prisonniers, 49 000. C'est tout? Je pense qu'il va falloir les empiler un peu plus. Hein. Là, vraiment, on gagne pas assez d'argent. Alors, l'objectif de cette prison, c'est réussir à en tirer mes tâches à la con là. Parce que là, ici, on n'arrive plus. Ça plafonne, on n'arrive plus à rien en tirer. C'est cauchemardesque. Et il faut qu'on arrive à en tirer quelque chose. Alors, moi, je me serais bien vu claquer pour ici. Je sais pas, des douches par là, par exemple. Je sais pas trop où foutre les douches, j'avoue. Je vous avoue tout, je ne sais pas trop où les mettre. Hey, pourquoi je les colle pas contre le mur? Les douches, ça peut être en extérieur. Eh, hey, très bien. Excellent. Excellent. Je mets un dortoir avec beaucoup de gardes. Ça me paraît être l'idéal. Ça me paraît vraiment être l'idéal, quoi. Ça me paraît bien. Va pour un mur de douche. Va pour un petit mur de douche. Alors attendez. Mur de douche, certes. Mais alors attendez, faut que je laisse quand même un peu de place parce que s'il commence à se taper sur la tronche, ça va être compliqué. Ah non, mais là c'est compliqué. Là c'est compliqué, là ils vont se taper sur la gueule. Oh, c'est pas grave. Ils se taperont sur la gueule. Avec un peu de chance, ça les rendra moins con. Ça commencera peut-être à les rendre intelligents. Tac tac tac. Voilà. Petit peu mal de douche. On aurait peut-être dû commencer directement en brique, hein, mon histoire. Hein. Ah, il manque un truc ici. Ok. Bon, je vais le rajouter. Un autre pommeau de douche, s'il vous plaît. Hop. Voilà, très bien. Et puis ici, bah, il faut. Voilà. Attention.
la clôture New Age. Faire les douches, hein, ça peut être en extérieur, voilà. Très bien. Très bien. Voilà. Ça c'est des douches officielles. Hein. Là c'est officiellement les douches, hein. Y a pas d'erreur. Y a pas de porte, les portes c'est pas nécessaire, c'est pas obligatoire. Donc... cadavre là, connard. Bref. Oh bon, on s'éclate. Hein. Ouais, on s'amuse comme on peut hein, dans l'administration, c'est pas rigolo. Compact, plutôt économique, bien que j'aurais pu faire vraiment très économique en laissant juste les pommeaux de douche suspendus comme ça en l'air. Mais bon, à un moment donné, du lore quoi. Compact, économique, voilà. Et néanmoins, du lore quoi, hein, du swag hein. Moi je pense que on peut même ajouter deux lampes. Deux lampions, franchement. Deux lampions, voilà, je me pose là quoi. Paf. Alors, oui. Ah, il faut que je fasse mon dédale. C'est parti. Ah, forcément, il y a un petit gâchis là. Là. Il y a un petit gâchis de 2 à mettre quelque part. C'est parti. Voilà, on l'a. Petit dédale stylisé. Normalement, j'ai oublié aucun pommeau, aucun pommal. J'ai rien oublié. Normalement. Voilà, normalement, on est parfait. Voilà. Et mais en fait, j'aurais même pu optimiser ici. Attendez. Attendez tout. Je mettais ça là. Et regarde. Regardez. Ouais, je sais, je suis un monstre du gaming. Et comme ça, on justifie, voilà, notre tirail de 2 pour un pommeau qui en fait est de 3 pour 2 pommeaux. Voilà. Il y a quand même un intérêt investissement là. De ouf. Voilà. Votre avis ne nous intéresse pas. Ne vous inquiétez pas si jamais. Jamais vous pensez qu'à un moment donné ça nous a. Alors, par contre, voilà, ça c'est chiant. Tu verrouilles ça ou pas, s'il te plaît. Voilà, merci. Ça, ça règle beaucoup de problèmes. Ah, donc là, on a de la douche publique, mais ça m'a l'air un peu petit en fait. Je me dis si je rentre beaucoup de prisonniers. En fait, je sais pas combien j'ai prévu de rentrer de prisonniers là-dedans. Et je dois avouer que j'ai pas trop calculé mon coût en fait. Bon. Nous verrons bien. Nous verrons bien. Donc va pour ça, ça c'est valide. Ici on va avoir une cuisine cantine. Très jolie évidemment. Ok, c'est quoi? Ah ouais, mais on peut rien fouiller. On se fera une petite fouille générale à la levée du jour. On terminera sur une petite fouille, voilà. Je pense que ça fait longtemps qu'on n'a pas tué des gens. Ouais, 06 jours. Vous vous rendez compte? Oh mais ça va faire 10 heures qu'on a tué personne. Et ça va se voir que qu'on sera nos livres. Moi j'ai pas envie d'avoir des problèmes avec les supérieurs. Faut que je nettoie tout ça. Hein. Alors, il faut démonter du câble. Démonter ça. Et à la place, on va construire du tuyau câble ici. Voilà, normalement, on sera bon. Normalement. Ici ok, ça construit le truc. Ça fait une petite douche. On est sur bon, on est sur de la douche sympatoche hein. Bon après voilà. S'il faudra l'agrandir, on verra bien. Pourquoi pas après tout. Oh, je sens que je vais me faire un petit pas un petit mur des cons. Mais j'avoue qu'en termes d'idées on n'est pas loin. Attention, préparez. Je vais tirer ma route jusque là.
Ça rappelle un modèle que j'ai déjà bâti, rappelez-vous. Large, je sais pas si la cour a des obligations en termes de dimension, je me rappelle, j'en construis tellement jamais des cours. Cours à 5 par 5 minimum. Je suis un monstre du gaming, voilà. Finalement, heureusement que je suis jamais devenu un joueur pro, sinon j'aurais éclipsé le monde entier. Voilà, ça se serait vu. Ça se serait vu que j'étais vraiment fort. Les gens auraient douté. On aurait commencé à se poser des questions, ça aurait été terrible. Finalement, c'est pas mal comme ça. Voilà. Magnifique, très joli. Un joli cours. Est-il point? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un mec qui fait des trous? Ouais, faut vraiment qu'on finisse sur une petite fouille. Hein. Faut vraiment. C'est vraiment nécessaire. Parce que bon, là, les gens qui commencent à essayer de s'évader, là, c'est quand même pas. C'est pas cool de leur part en fait déjà. Un cuisinier fatigué là. Ça va mieux? Oui. Voilà. Soyez plus nombreux, soyez plus cool. Plus cool, plus nombreux. Et en étant plus nombreux, c'est plus cool. Ah oui, alors il serait peut-être temps que je fasse de la vente aussi. Non, parce qu'on se repose beaucoup sur ce que nous rapportent nos prisonniers. Mais on a oublié que c'était pas notre man principal, enfin originel tout du moins. Combien il y a encore? 51 prisonniers qui arrivent. Oh là 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 là, la rentrée de pognon maximale. Hein. C'est le défilé de camions. Hein. Ah, j'ai entendu le doux bruit du taser matinal. Un petit taser à 6h15 du matin. Yeah. Voilà. 6h20, deuxième taser. C'est un peu comme le coq du matin, tu vois. Ah, troisième taser. Voilà, donc il est l'heure de se lever. Allez, faites-moi une fouille générale du bâtiment. Vous voyez, c'est un peu comme les trois coups au théâtre. Bah, c'est un peu pareil. Finalement, c'est le petit as du matin en trois sonorités. C'est quand même le gros style. Et bah dis donc, on a presque rien ramassé et on a déjà trouvé tout ça. Presque rien cherché. J'ai trouvé un milliard d'items. Regardez, 19 heures de saison, on a fouillé 27 blocs. Hein. La blague. La blague. De l'alcool, bien sûr, de l'alcool, évidemment. Ouais, petite cour, on va avoir le temps de construire cette cantine, je pense. Et puis après, je mettrai fin. Je pense qu'on va se faire une petite journée fouille. En même temps, c'est pas le bon moment pour faire la fouille, puisqu'on fait rentrer des gens. Bon, ils vont attendre dehors, c'est pas grave. Ils sont sages en général. Qu'est-ce qu'on voudrait rentrer J'ai dit cuisine et cantine. Ok. Déjà il me faut une cuisine, il faut qu'elle fasse au moins du 3 sur toute sa longueur. Et après on peut se rentrer hyper cantine. Voilà. Alors, pour ce qui est de la cuisine, pour l'instant je vais commencer par la cuisine, je vais aménager la cuisine tranquillement. Est-ce qu'on part sur deux leviers en façade? Non,
part sur la cuisinière. Cuisinière. Ah, ça sauvegarde. Du coup, ça rame. Ok. De la cuisinière. Et on n'a pas la place pour en mettre une ici. Très bien. On part sur. Qu'est-ce qui se passe? J'ai la grosse musique. Oh, attendez, je crois que je suis sur un move de type émeute. Alors, ça. Si c'est le cas, c'est génial! On finit sur une petite émeute. Yes! Regardez-moi ça, c'est pas beau ça? Regardez, on finit sur une émeute. Très bien, pas de soucis. Bonjour, il me faudrait un garde armée ici. Non, pas toi. Garde armé. Et on va le mettre, je sais pas moi, un endroit où il y a de la place, tiens ici. Voilà. Là, j'en mets même deux, si vous voulez. Fin des embrouilles. Bon, ils arrivent les gardes armés là, parce qu'on s'emmerde. Hein. Non mais les mecs ils hésitent à venir, voilà. Viens prendre le poste là. Voilà. Non mais toi viens, viens voir ici là. Viens, rentre là dedans. Rentre là dedans. On va se mettre en vitesse 1 pour pouvoir apprécier un peu. Voilà. Là voilà. Voilà. Suivant. Suivant. On manquait de place. Fin de l'émeute. 7 morts, voilà. Ah bah moi je sais pas, enfin hein, moi je suis à leur place, je suis très content. J'entends un coup de fusil à pompe dehors, on me dit que Billy il revient pas. Et on a envoyé James. On a envoyé ce bon vieux James chercher un truc. Il passe la porte, j'entends un coup de pompe, je vois plus James. Moi, quand le garde il rentre dans la cantine, je suis assis sagement, je nettoie mon plateau. Hein. Ah bah, j'ai des couilles, mais jusqu'à un certain degré, faut se calmer. Hein. Voilà, donc c'était très marrant. Bon, on n'a pas besoin de maintenir autant de gardes ici, je pense. Je pense que si, allez, pour l'histoire, on va quand même garder voilà, un mec. Ça s'arrêtera là. On garde juste un mec ici, c'est très bien. Voilà. Vous pouvez continuer votre fouille. On a encore la bande son en fond, genre attention, il se passe des trucs quoi. Yes. J'ai l'impression que les travaux n'avancent pas parce qu'il y a beaucoup d'arbres à abattre. Hein. Ça a l'air d'être une grosse histoire cette histoire d'arbres à abattre. Ouais. Peut-être se payer des mecs de plus. Voilà, on a 10 mecs de plus. Les travaux devraient avancer un peu. Ouais. D'ailleurs, en train de penser en termes de pièces, là, cette petite pièce de livraison, on pourrait peut-être la faire un petit peu moins compacte quand même. Genre un petit peu moins, juste pour pouvoir faire une petite bordure verte un peu jolie, quoi. Voyez-vous. Voilà, voilà. Et là on pourra se mettre une jolie petite bordure verte. Vous savez quoi, on va même se les pré-mettre. Allez, très joli. Oh, c'est beau. Hein. C'est beau, ça me donne envie de pleurer tellement c'est beau. Et voilà, c'est magnifique. Incroyable. Je dirais que je l'ai fait exprès.
temps, oui, je l'ai fait exprès. Allez, petite grille d'évac ici, j'en avais oublié une visiblement. Cool. Ici, on va ralentir leur mouvement, on part sur un petit gravier. L'intérêt, c'est qu'ils ne puissent pas se déplacer trop vite dans cette zone-là. Qu'est-ce qu'il faut dans une cour? Derrière au moins une porte. Bah oui, mais au moins derrière une porte. D'accord, hein, ta cour elle est valide. Hein. Enfin, j'espère quoi. J'espère qu'elle est valide. Ah, j'aime beaucoup ce bruit. 8 décès aujourd'hui, formidable. Faites de la place. On a encore 37 mecs qui entrent demain. Faut faire de la place. Il y a des mecs libérés qui se cassent. Ils sont tellement heureux, ils ont échappé à la fusillade et tout. Eh, n'empêche, eux ils sont tenus à carreau, hein, en vrai. Ils sortent libérés, délivrés. Hein. Croyez-moi qu'on ne les reverra plus jamais. Clairement. Toujours pas alimenté la machine aussi. Ouais mais c'est prévu, d'accord. C'est prévu mais c'est pas fait. Parce qu'on manque cruellement de mecs. Et qu'ils sont fatigués, qu'ils avancent plus. Voilà. Quand ils sont fatigués, ils avancent plus. Eh c'est chaud hein, mais c'est comme ça. Hein. Ouais. Oh les mecs, ils sont au bout de leur life quoi. Sérieusement. Vous êtes 60, vous êtes tous au bout de votre vie quoi. Vous avez jamais le temps de vous reposer, ça se passe comment? Le personnel. Oh, par contre ouais, les gardiens ils ont morflé. Hein. Oh gardiens, il y a du blessé, il y a du... Oh là là, là ils ont payé. Hein. Ah ils ont payé. Hein. Pétard. Ah ils ont pris le tarif. Ouais alors vous par contre fatigué, lol, vous foutez pas de la gueule du monde quoi. Passez votre journée à camper devant des... Ok. Bon. Continuons donc cette prison de basse sécurité. Est toujours considéré comme dangereux, je suppose. J'ai l'impression que c'est les murs de base qui perturbent ce taux de dangerosité. Bon, les gardiens ils avancent plus. Hein. Fin de la fouille. Fin de la fouille, ils en peuvent plus, ils avancent plus les mecs. Ils sont au bout de leur life. Ils sont au bout de leur vie. Bon, en même temps, je peux commencer à comprendre. Quand tu commences à avoir des prisonniers au milieu de la rue. Plein de TK des petits. Dis donc, ils sont sacrément balèzes ceux-là. Tu sais où t'as mangé quoi toi, mon Jack? Mais bon, Rick, hein. Réputation inconnue. Ah bah, vous avez envie de pisser, vous allez vous pisser dessus, les gars. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise d'autre? C'est la pissade sur soi, hein. Là, y'a plus le choix, hein. C'est comme ça, y'a rien d'autre, hein. Ah l'autre ils l'ont posé là. Alors aujourd'hui tu vas prendre de la sécurité petit hein. Donc là tu vois, on t'a vu jouer avec ton zizi. C'est pas bien. C'est pas bien. Tu joues pas avec ton zizi sur la tête des copains. Voilà. L'autre? Ah non mais vous le laissez là, on s'en fout. Oh il est bien là. Voilà. Oh. Oh, Doc tu t'emmerdes pour rien. Oh le docteur qui s'emmerde pour que dalle. Oh le club des fatigués. Paraît à décéder. Ah ça y est, ils ont câblé, pas mal, GG. GG mes petites gueules. Ah, on ferait peut-être mieux de câbler par là. Mais par là on a de la grosse machine à câbler.
Alors attendez, hein, je réfléchis à l'économie de câble le plus possible. Voilà, on a un petit peu radin. Voilà, plus possible de radinerie. Alors s'il faut, moi à n'importe quel moment, je peux séparer mes machines là, parce que c'est vrai que je les ai collées. Mais en fait, je peux les séparer pour pour faire en fait deux cantines différentes si jamais il y a besoin d'en fait d'en avoir une spécifique pour nourrir en fait les prisonniers de cellules ou ce genre de choses. Je pourrais le diviser assez facilement en deux mon projet. Non mais je sens que même si j'en mets plus, ça avancera pas plus en fait. C'est vraiment ouais, deuxième prison, on peut quand même mettre 4 médecins. Pour un moment donné, pour presque 1000 personnes, si on peut avoir 4 toubibs, c'est pas dégueu non plus. Et bah, je pense qu'on est bien. Je pense que je vais pas vous embêter plus que ça, puisque de toute façon, ça a pas l'air de vouloir avancer beaucoup plus vite. Donc, je vais attendre que tout soit construit avant de reprendre ultérieurement. Je vous fais des bisous, c'est Technofonction comme d'habitude, et je vous dis à la prochaine. Ciao.